Thomas Fumery Family, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, ça va. Je partage avec toi dans cette vidéo un peu comment j'ai fait pour me sentir moins seule dans une chambre d'hôpital. L'hôpital n'est pas forcément le lieu le plus hospitalier qui puisse exister. Quand on est hospitalisé, on a l'impression que le temps ne passe pas, que les journées sont trop longues et ça peut facilement donner la dépression. Je ne souhaite à personne de se retrouver à l'hôpital, mais bon, en même temps, l'hôpital, c'est pas forcément un lieu négatif parce que on dit quoi? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, ça veut dire quoi? Si tu vas à l'hôpital, soit c'est pour gagner, soit c'est pour perdre. C'est pour gagner la santé ou peut-être pour perdre la vie. Donc, une fois que vous sortez, sachez que vous avez déjà gagné. Et ne vous inquiétez pas, mon fils va très bien. On va bien, tout se passe pour le mieux, nous sommes rentrés à la maison. Mais je voulais juste partager un peu ce quotidien-là que j'ai traversé. Je me suis dit peut-être ça pourra donner un sourire à quelqu'un ou bien peut-être qu'il y a une maman qui a un enfant hospitalisé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un proche hospitalisé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la situation semble moins dramatique, pour que la situation semble beaucoup plus zen. Nous, on était hospitalisés dans une autre ville. Je partage avec toi, en fait, dans cette vidéo, deux, trois choses que j'ai mises en place pour éviter de me sentir déprimée dans une chambre d'hôpital. Parce que si vous êtes garde malade et que vous êtes déprimée et que vous ne vous sentez pas bien, alors votre malade ou bien la personne que vous allez assister pourra ressentir que vous n'êtes pas bien et ça peut aussi ralentir son rétablissement. Donc, raison de plus pour se sentir comme à la maison, à l'hôpital. Et je sais que ce n'est pas facile, je dois vous avouer. Mais bon, j'espère que cette vidéo te plaira et je te laisse avec le visionnage. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, je peux vous donner les petits tips, comment faire pour relativiser. Si jamais vous vous retrouvez hospitalisé avec votre enfant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis, ensemble, on va voir comment positiver quand tout semble ne pas aller. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais brève, mais on passe à la suite de la vidéo. Alors là, je viens juste de prendre ma douche. Ça fait vraiment plaisir. Et comment j'ai fait pour prendre ma douche? Donc, je me suis lavée là. Attendez, je vous montre ça. Je me suis lavée là et pendant ce temps, Tiam était debout là. Et l'astuce pour qu'il ne soit pas tenté de venir sous la douche avec moi, c'est qu'il était déjà habillé et chaussé. Parce que, hop là, mon téléphone va tomber. Attendez. Voilà, parce que on s'apprête à sortir, prendre de l'air parce que c'est long. C'est long de rester enfermé dans une chambre. Allez, pendant que je me lavais, on est venu donner le repas. On ne sait pas encore ce que c'est. Franchement, les repas ici, oh, bon là, c'est du riz. Ah, oh, ça sent bon. Oh, oula, ça sent comme le riz sauce d'arachide. Je vous jure, ça sent vraiment le riz sauce d'arachide. Et là, c'est son kartoufle, c'est encore bien chaud. Je crois que là, c'est soupe, betterave, pudding. Moi, je déteste les puddings. Et Tiam non plus, donc. Voilà, en tout cas, moi, je vais bien manger. Je vais manger ça. Et puis, on va manger ça ensemble. Et après, je sais pas si on aura faim. On va manger ça après. Donc, il veut déjà manger. Tiam veut manger. Attends, c'est chaud. On se dit à tout à l'heure. Donc voilà, je n'ai plus de rouge à lèvres, j'ai tout mangé finalement. Attends mon chéri, Tiam est pressé de sortir. Donc finalement, ce qui ressemblait à la sauce d'arachide, j'ai pas pu le manger, c'était trop salé. Mais ce que je craignais le plus était très bon. Tiam ne me laisse même pas parler, il veut tellement sortir, donc on va aller prendre de l'air. Donc voilà, nous sommes prêts pour la petite balade. Thank you.
mais regardez comment c'est trop beau ici. Mannheim, c'est une belle ville, c'est une grande ville. Ça n'a rien à voir avec, avec mon petit village là-bas. Donc, on prend un petit tour. Donc après, on va marcher comme ça. Bien, je sais pas, on va essayer de se retrouver de l'autre côté là-bas. Nous sommes rentrés dans la chambre. Il fait extrêmement froid dehors. J'ai les mains gelées. Sinon, je n'avais pas froid. J'étais pas, mais mes mains étaient gelées parce que j'étais en fait, je poussais la poussette et tout. Donc, du coup, j'ai les mains congelées. Vraiment gelées, 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 gelées. Au milieu du chemin, Tiam s'est endormi. Donc, il n'a pas pu jouer, mais juste les frais là, ça fait du bien. Et moi aussi, ça m'a permis de faire le sport. Je crois que j'ai marché pendant 45 minutes non-stop. Là, je vais le mettre au lit et après, je vais peut-être regarder une vidéo et je vais me faire une petite sieste. Donc, voilà. Et après, le temps passe. Hein. Voilà, on n'a pas forcément besoin... Oups là. On n'a pas forcément besoin d'avoir de la visite tout le temps pour se sentir... voilà, pour s'occuper dans une chambre d'hôpital, pour s'occuper tout seul, comme des grands. Donc voilà, on vient de se réveiller, on a fait une belle sieste, on a très bien dormi. Je crois qu'on a dormi peut-être pendant 2 heures de temps. Bon, Tiam a dormi plus puisqu'il avait dormi déjà depuis quand je marchais. En fait, pendant la marche, il s'est déjà endormi. Donc là, moi j'ai dormi près de 2 heures, je regardais mes yeux. Je suis trop contente parce que j'ai bien dormi et voilà, ça fait toujours du bien de bien se reposer et tout. Donc maintenant on va essayer de voir ce qu'on va faire, je sais pas trop, je sais pas. Bravo. Bravo. Hey mon bébé d'amour. Dans le. Voilà, aujourd'hui, on a passé une journée assez, assez calme. Il y a Tiam qui est toujours souriant. Mais il doit être là-dedans parce qu'il faut qu'il dorme. Mais oui, tu dois faire la sieste. Il a déjà bien mangé. Même comme il faut toujours que je le force pour qu'il mange. C'est pas un gourmand de toutes les façons. Et après, il a bien joué. Et il est debout depuis 6 heures. Et il doit faire la sieste maintenant. Mais il ne veut pas dormir. Maman. Oui, mon cœur. J'attends qu'on débarrasse. On vient de manger. J'ai essayé de nettoyer un tout petit peu. C'est vrai que la femme de ménage est passée, mais voilà, ils font le travail complètement bizarrement, quoi. Donc là, j'ai demandé les nouveaux draps et je vais changer... je veux changer la literie et j'ai aéré. Voilà, pourquoi on essaye de se sentir comme à la maison. Les jours sont longs, mais bon, mais ça va. Fais la sieste, mon bébé. Couche-toi, tu fais la sieste. Oui, fais la sieste, bébé. S'il te plaît, mon cœur. Fais la sieste. Dans mon lit parce qu'en principe il dormait, du moins il devrait dormir dans son petit lit, mais il a tellement pleuré que je n'ai pas pu résister de l'enlever de là.
il voulait juste être dans les bras. Et je l'ai retiré de son lit, entre guillemets. Je l'ai pris dans mes bras, même pas 5 minutes, même pas. Il était déjà endormi. Donc il voulait juste que je le prenne. Comme quoi, deux fois, il faut. C'est pas qu'il faut céder aux caprices, mais il était resté longtemps. Peut-être 45 minutes à 1 heure de temps, il était déjà là-bas. Mais il ne voulait pas dormir et tout. Il a tellement pleuré que quand je l'ai pris, il était. Il a seulement dormi. Et puis je pense aussi qu'avec le fait qu'il soit à l'hôpital et tout, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc il faut souvent qu'on essaie d'écouter. Qu'on essaie d'écouter nos enfants. Hein. Qu'on essaie d'écouter un peu, pas être dur, parce que des fois les enfants veulent être portés pour une raison. Bon, c'est à nous d'être un peu, d'avoir le discernement pour savoir est-ce que c'est parce qu'il fait des caprices, entre guillemets, ou bien peut-être il a besoin d'être rassuré, etc., etc. Donc voilà. J'ai envie de dormir et en même temps j'ai envie de regarder les vidéos sur YouTube. Mais je pense que je vais faire la décision sage de me coucher et je vais me coucher maintenant. Donc voilà, Christian va déjà manger en train de prendre son dessert. Et moi, je vais manger son reste de repas avec le pain aux céréales. Il faut savoir que ça, c'était le repas de midi que j'ai réservé pour le soir pour qu'il puisse manger. Parce que généralement, le soir, voilà ce qu'il donne à peu près. Il donne une tranche de pain comme ça ou deux avec un morceau de, je sais pas, jambon, fromage, mais ça. Il est 20h30, on a bien mangé. On a bien mangé, je vais essayer de débarrasser la table. Donc là maintenant, je vais aller nettoyer Tia. Et ensuite, je vais prendre ma douche, si elle permet que je prenne ma douche. Hi, mon bébé. On dit à tout à l'heure. Alors, nous sommes le jour suivant et on fait la marche de la journée, quoi. Il est 14h30 et j'ai envie de rentrer à l'hôpital vers 7h30. Donc, j'ai envie de faire 3 heures de pont dehors. Mais il pleut, mais ça va me décourager. Donc, je vais marcher jusqu'au centre-ville, puis je vais faire les magasins au chaud. Comme ça m'occupe. Surtout qu'aujourd'hui, Tiam ne doit pas marcher, donc il doit faire l'effort d'éviter de marcher en fait. Donc on y va.
open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up. Open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Alors là, je suis exténuée, je suis fatiguée comme jamais. Tiamman, arrête de tirer ton collant comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Je me suis douchée. C'était compliqué. Mais je me suis quand même douchée. On a les lèvres qui brillent parce qu'on a mis le Bepanthen. Et on a les lèvres fraîches. Je sais pas si c'est l'air de l'hôpital ou quoi, mais ça nous achète, ça nous assèche beaucoup les lèvres. Donc on se met ça tous les soirs avant de se coucher. J'étais en train de dire que j'ai pris ma douche et ensuite j'ai fait la lessive, donc j'ai lavé les habits. Parce que je pense que quand on est à l'hôpital, c'est mieux de... C'est mieux de laver les habits directement parce que voilà, c'est vrai qu'on va rentrer dans peu de temps, mais c'est mieux de rentrer avec les linges propres, même si c'est pas très propre, mais au moins essayer de laver le linge quand on le change. Et c'est pratique pour réduire les microbes et voilà, quoi, on ne sait jamais. Toujours laver les vêtements quand on les change. Donc voilà, on va s'apprêter à dormir. Alors bonjour tout le monde, on s'est réveillé là et on a déjà pris le petit déjeuner. Et là on essaie de s'occuper, de jouer, c'est pas évident. J'avoue que ce n'est pas toujours évident de voir quelque chose de positif dans un hôpital, mais en regardant autour de nous avec un œil reconnaissant, on voit que par exemple les repas, on a l'occasion de varier les repas, de découvrir des recettes. Et moi par exemple, j'ai découvert ce tableau, bien des objets de décoration qui peuvent vous inspirer aussi pour vos enfants, pour votre entourage, et ces autocollants qui s'allumaient dans le noir. Je ne sais pas si vous pouvez voir là en image. Donc là c'est notre dernier jour, on va rentrer à la maison. Je suis très contente et j'ai juste envie de dire enfin, like enfin for real. Bah, la maison, on va reprendre nos petites habitudes et voilà, j'en avais vraiment besoin. T'as les cheveux tout secs, Tiam, tout sec, plein de résidus. Faut que Sandra, quelques autres. Faut nous dire ce qu'on a fait pour hydrater les cheveux de ce petit prince. On dit au revoir, Tiam. On dit au revoir. À la prochaine vidéo. Bye bye. Bravo mon bébé. Bye bye.